Dieu. Dieu le roi des gloires, Seigneur. Je verrai que l'Église, nous puissions s'élever devant la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es, nous voulons célébrer le roi Seigneur. Lève-toi là où tu es, nous voulons célébrer le Seigneur des gloires. Lève-toi là où tu es, nous voulons célébrer le roi des gloires. Lève-toi, Église, célèbre le roi. Lève-toi, Église, célèbre le roi des gloires. Lève-toi, Église, célèbre la présence de Dieu. Lève-toi, Église, célèbre la présence de notre Dieu. Célèbre la présence de notre roi. Lève-toi là où tu es.
Oh,
Je veux écouter l'adoration de son peuple.
pas besoin que l'homme puisse l'aider pour qu'il soit ce qu'il est. Mon Dieu, il est Dieu avant les hommes. Mon Dieu, il restera Dieu après les hommes. Il est le véritable Dieu. Avant le roi, il a été le roi des gloires. Après le roi, il restera le roi des gloires. Est-ce que tu peux élever ta voix, à ton cœur, ton esprit pour adorer Dieu maintenant, pour célébrer ton Dieu maintenant? C'est lui qui est le Père de tous les esprits. Il s'appelle l'Alpha. Il s'appelle l'Oméga. Il est le véritable Dieu. La Bible est en train de me dire en Apocalypse. La Bible l'appelle. Son nom est la parole. Je veux que tu adores la parole ce matin. La parole fait chair. Il s'appelle Jésus. La parole fait chair. Il s'appelle Jésus. Il a été sur la terre. Rempli de plénitude de la divinité de Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Est-ce que l'Église n'a pas adoré Dieu pendant quelques minutes? Ravez-vous, Sana. Sans la musique avec le piano. Sans la musique avec le piano. Je veux donc que l'Église adore le roi des rois. J'aimerais que l'Église célèbre le pouls. J'aimerais que l'Église célèbre le pouls. Avec le piano. Sans la musique. Ravez-vous, Sana. Je vais même avec la chorale, nous tous. Ensemble, comme excellence. Il est entouré du cadre de Dieu.
Emmanuel, 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 Emmanuel
La Bible dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 37. La Bible dit, et lorsque déjà il s'approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de disciples, saisie de joie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois saisi de joie parce que ton roi est là présent. Amen. Pour te donner ce que ton cœur désire ce matin. Amen. La Bible dit, il s'est mis à louer Dieu, mais à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Est-ce qu'il y a une personne qui a vu la main de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Dieu passer sur sa vie? Amen. Si tu es là, est-ce que tu peux manifester la joie? Amen. Si tu es là, est-ce que tu peux manifester la joie? En poussant les cris de joie. À la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Responsabilité, ce n'est que de louer ce Dieu-là, parce que lui, il a déjà fait. Parce que Église, tu peux t'élever dans tu es, pour que nous puissions louer notre roi, notre Seigneur. Nous allons danser pour le roi des rois. Nous allons taper nos mains en train de danser, en train de célébrer notre Dieu, parce qu'il a vu ce matin. Lève-toi là où tu es. Nous voulons louer notre Dieu, le roi des gloires. Amen. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Excusez-moi, vous savez, il y a deux dimanches passés, je voulais témoigner. Vous savez, quand on dit de danser, de chanter pour Jésus, pour mieux comprendre cela, il faudrait être malade. Amen. Il y a quelques semaines passées, j'étais tellement combattu, tellement, tellement abattu. Bien que le ennemi avait le mille à mes côtés, mais il y avait 10 000 qui combattaient ma droite. Mais je bénis Dieu, maman ange, merci. Maman ange a dit dans le groupe, priez pour frère Tadé. J'étais là, j'ai rigolé. Mais je crois bien que personne n'avait capté cela. Alors aussi, maman, vraiment, en tout cas, qui a l'esprit de Dieu, qui peut dire quelque chose, parfois, elle-même, elle peut ignorer cela, mais si ça vient au plus profond. Elle a demandé et à me prier pour moi. J'étais tellement abattu. Je voulais être dans la fête de l'anniversaire, mais je n'ai pas pu. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Alors, je disais, Seigneur, la seule chose que je t'ai toujours demandé, même si tu me prives de ce qui me plaît, de ce que le corps fait, mais au moins éternel, permets-moi d'être en bonne santé, de te chanter, de te prêcher, de prêcher ta parole, de te chanter. Profite mon frère, danse, loue Jésus. Amen. On relève la victoire et de la vérité à son âme. Amen. Amen. Amen.
saluer. Vous savez, nous savons tous que nous sommes dans la période de Géo. Il y a plusieurs choses qui sont sorties à propos de ça. Je me suis rendu compte que l'Église est tellement distrait à un niveau où je me dis, il y a d'autres personnes qui servent un faux Dieu, mais ils n'ont pas honte de leur faux Dieu. S'il faut dire des choses pour leur Dieu, ils font ça. Ils n'ont pas la honte. S'il faut parler n'importe quoi pour leur Dieu, ils sont prêts à le faire. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, l'Église a tellement de l'incapacité d'adorer Jésus à la dimension que Dieu veut qu'il puisse réellement l'adorer. Et des fois, nous avons une honte de parler de Jésus ou d'adorer Jésus parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même les gens qui servent le diable, ils n'ont plus le temps d'avoir honte pour les diables. Et si toi tu viens à l'église pour avoir honte pour Jésus, laisse-moi te dire, il a dit une chose. Celui qui a honte de moi sur terre, ne t'inquiète pas. Jésus aussi aura honte de toi. Ce jour-là, lorsque tu viendras devant le Père, au lieu que Jésus puisse te défendre, mais Jésus va regarder à gauche. Je ne vous ai jamais connu parce que sur la terre, je n'arrivais pas. Dans la présence de Dieu, la priorité, ce n'est pas seulement de demander, mais la priorité, c'est aussi de célébrer Jésus et d'adorer Jésus. Alléluia. Amen. Je crois que dans ces temps, l'Église doit monter dans une nouvelle dimension de comprendre le pourquoi nous sommes là sur la terre. On est là pour impacter le monde, car le monde attend avec une ardente désir, non la révélation de Jésus, mais la révélation de ceux qui sont le Fils de Dieu. Et c'est toi, tu dois révéler Christ dans cette génération. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la présence de Jésus? Je suis en train de parler de Jésus. Je dis acclame Jésus. Je ne dis pas acclame ton père. Je ne dis pas acclame ton oncle. Je ne suis pas en train de parler de ton oncle. Je ne suis pas en train de parler de ta tante. Je ne suis pas en train de parler de ton ami. Je ne suis pas en train de parler de celui qui est l'autorité sur la terre. Mais je suis en train de parler de Jésus, le créateur de toutes choses. Celui qui décide la fin du monde.
ta présence, Emmanuel. Merci parce que tu es le réparateur de brèches, Seigneur. Parce que ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Pendant le midi de chanter Emmanuel, je verrai que là où tu es, tu t'élèves, je verrai que nous puissions faire une prière prophétique ce matin. Tu vas prier pour celui qui est à ta gauche, et tu vas prier pour celui qui est à ta droite. Tu vas prophétiser des choses sur ta vie. Celui qui est à tes côtés, tu vas prier pour lui. Je verrai que cette prière ne se limite pas seulement qu'elle est dans cette prière, mais que ça puisse être une déclaration. Vous savez, la Bible est en train de me dire ceci. Notre Dieu, il est le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Et parmi la nature de Dieu qui est en nous, il nous a donné la capacité d'appeler des choses.
Ta soeur, tu peux prier maintenant pour la parole. Bien Dieu, parle-moi ce matin. Bien Dieu, parle-moi ce matin. Je vis les hommes dans la Bible dessinés que les choses restent ainsi. Prie bien Dieu que l'onction de Dieu remplit la bouche que Dieu a choisie ce matin. Aujourd'hui, lorsque tu écouteras la parole créera des choses dans ta vie que tu ne pensais même pas. Je voudrais que tu lèves ta voix. Commence à prier pour la parole. Prie, prie, prie. La bouche, Shabbat. Prie pour ce moment. Rika Satanaba. Rika Sebrika de Gosaya. Prie pour la parole, au nom de Jésus. Que les esprits soient soumis devant la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ.